Salut Toké, je suis appelé Toké en ligne, bonjour, bonsoir, comme d'habitude, je sais pas quand vous regarderez la vidéo, ou simplement si vous allez la regarder. Bon, on va reprendre la collection, donc on va attaquer sans plus tarder, on va reprendre avec de l'action et un peu de comédie, et vous verrez la dernière tour, par contre, ce sera quasiment que de la comédie américaine avec beaucoup de culte. Et on va commencer sans plus tarder, alors je vais plus forcément sortir les DVD, à moins que ce soit particulier quoi. Donc Dope, vraie bonne découverte que j'avais fait si me chopais chez Noz. Voilà, donc très très cool, un petit peu style Spike Lee. Voilà, School Days, film voilà potache américain sans prétention avec Ice Cube. Harvey Milk, drame un petit peu avec Sean Penn notamment et sur le personnage donc de Harvey Milk, un homme politique qui était gay. L'ex-femme de ma vie, assez culte avec je crois. Josiane Balasco et Thierry Lhermitte, je suis sûr on va te sortir. Voilà donc Josiane Balasco, Jane Birkin, Thierry Lhermitte. Et donc c'est une pièce de théâtre, voilà, donc la pièce de théâtre. Donc souvent c'est bien mieux que le film en lui-même. Ensuite on a quoi? Bon on a Strip Movie, hein, on a tout vu le film rien qu'avec le titre. Service après-vente des émissions, les 6 saisons, donc c'est très très cool ça. Turner et Hooch, une comédie policière sympathique avec Tom Hanks et puis un gros chien. Valérian, un des derniers de Luc Besson, donc toujours pas vu celui-ci, donc il me tentait vachement. Gangsterdam, qui a été plutôt une bonne surprise, et puis voilà, en plus c'était un des derniers rôles de Rutger Hauer. Qui sait, peut-être que c'est le fait d'avoir joué avec Kev Adams qui l'aura tué. Voilà, blague, hein, je précise. Quoique. To Be or Not To Be, Mel Brooks, plutôt sympathique, voilà. Je pense que ça parodie un petit peu les trucs de Shakespeare, tout ça, donc... Je pense pas l'avoir vu celui-ci. Je sais pas s'il veut sortir. Il a pas l'air de vouloir. Bon, bref. Need Gap, très très bon avec Samina Seri. Un bon film de. Je crois que c'est Julien Seri qui s'appelle ou Nicolas Seri. Film policier vraiment vraiment cool. Je déteste les enfants des autres. Une comédie fort sympathique. Jungle Fever, un des meilleurs de Spike Lee. Franchement, très très bon. Highlander 3, pff, plus aucun souvenir. L'homme au bradeur, film de Otto Preminger, je crois. Chopé il y a peu, là, voilà, Otto Preminger, donc voilà, une collection assez particulière. Hop, ensuite on a Universal Soldiers, donc avec Jean-Claude Van Damme, bien évidemment. Enragé, un film d'action assez brut de décoffrage, assez bourrin. Le Mans, toujours pas vu, m'a dit que c'est pas ouf. Voilà, proposition indécente, sympathique, sans plus. Ah si, celui-ci est cool, c'est avec Woody Harrelson, pardon, je confonds. Si, celui-ci est bon. Sicario, toujours pas vu mais je sais que voilà il plaît à beaucoup de monde. Le pont des espions, je crois que c'est Zemeckis, il me semble, je suis pas sûr que ce soit Spielberg. C'est Tom Hanks, ça c'est sûr, mais finalement je me demande si c'est pas Spielberg en fait. Alors, est-ce qu'il va venir? On va faire comme ça. Steven Spielberg ici, Tom Hanks, donc voilà, donc le pont des espions. Voilà, on va faire comme ça. Yatterman. Voilà, un espèce de d'ovni de Takeshi Miike, donc ce pourrait être un Sushi Typhoon presque. Par un Sushi Typhoon, je vous présenterai lorsque j'attaquerai la collection horreur, le coffret. Par le bien, par-delà le bien et le mal, voilà, avec Viggo Mortensen, donc c'était l'intérêt principal pour moi de prendre ce film, hein. Viggo Mortensen, bien évidemment. Ensuite, Hell and Back Again, donc voilà un film de guerre apparemment sur le conflit en Irak ou en Afghanistan, je crois. La rage au ventre, un petit bijou d'Antoine Foucault, donc Antoine Foucault qui a notamment fait Les 7 mercenaires, le remake et Equalizer. Je savais même pas que c'était lui qui l'avait réalisé celui-ci, bah, c'est pas étonnant qu'il est aussi bon, il est vraiment génial. Jake Gyllenhaal, Forest Whitaker, Rachel McAdams, une BO notamment de Eminem. Un petit Groland Sat, je sais pas ce qu'il fout là, mais très très bon. Voilà, voilà, le Groland, c'est cool, c'est génial. F6 Twister, voilà, Casper Van Dien, c'est l'intérêt d'une production Zillow qui est vraiment de piètre qualité. Ex Machina, voilà, Ex Machina que j'ai dans deux éditions, du coup, voilà, un film qui plaît énormément et qui tient à cœur à Chris, notamment, mon pote Arius. Voilà, Dragon Ball, le film, la légende des 7 boules de cristal, donc les boules de dragon. Voilà, je sais qu'il est considéré comme un des pires films du monde. L'animé de Chronique de Riddick, voilà, que Saga que j'aime beaucoup avec Vin Diesel. Donc Saga qui l'aura autant fait connaître que son rôle dans Triple X et que dans les Fast and Furious. Ensuite on a
le coffret trilogie super sympathique dans un boîtier simple de la trilogie Spider-Man de Sam Raimi. Je paye un peu pour 3 balles à Noz, hein, donc ça valait vraiment le coup. Ensuite, on a le Dolls de Takeshi Kitano, ici. Beautiful People, c'est un truc chopé il y a peu chez Noz, je sais plus trop c'était quoi. Neige sur Beverly Hills, pareil, je voulais présenter, c'est avec Robert Downey Jr., ça a l'air sympa. Afterlife, chopé il y a peu chez Noz, avec Liam Neeson. Eye in the Sky, le truc un petit peu comme Good Kill avec Ethan Hawke, voilà, sur les drones. En Liberté, comédie française avec Pio Marmaille, qui a l'air très très cool. C'est pas ma faute, un film un petit peu dans la lignée d'un Indien dans la ville, notamment avec Thierry Lhermitte. Microcosmos, documentaire culte sur le milieu des insectes, hyper culte, très très beau. Qui veulent un peu de Mona, qui a l'air très très bon avec Neve Campbell et Danny DeVito, ça a l'air vraiment cool. Come Fly With Me, c'est les mêmes mecs qui ont fait Little Britain, ça a l'air complètement barré. In America, qui a l'air d'être un très beau film dramatique, avec notamment Jimon Hounsou. Damien veut changer le monde, qui est une comédie qui me branche énormément avec Frank Gastambide et Gringe, l'acolyte de Orelsan, que j'ai toujours pas vu, ça a l'air très très beau. Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon jeu? Osef, vous voyez le premier. Trop c'est trop. Ouais, comédie américaine un peu potache, comme on en voit partout. Xanadu, qui a l'air d'être un ovni quand même. Ça a l'air d'être une comédie musicale, de ce que j'ai compris. L'As du clip, John Cusack assez jeune dedans. Voilà, ça a l'air d'être un rapport avec le cinéma. Voilà. La bûche, voilà, un film de dialogue français un petit peu. À la Audiard, à la Baker, enfin culte, un petit peu avec la piche aussi. Game Night, toujours pas vu, grosse comédie potache américaine qui a l'air vraiment excellente. Docteur Falamour, cultissime, Stanley Kubrick. Satyricon, Fellini, toujours pas vu. Streamer, c'est Robert Altman, toujours pas vu non plus, chopé il y a peu. Dick Tracy, deux vieux films, pareil, un coffret, toujours pas vu. Ensuite, on a Doctor Strange et Venom, récupéré il y a peu avec le Captain America Avengers, toujours pas vu. Le Sale Gosse, comédie française avec Issa Doumbia, qui est très sympathique. Le Grand Bain, qui est sympa, mais sans plus, mais il y a quand même la version longue que je regarderai par curiosité. Le Cocktail avec Tom Cruise, qui est très très bon. Le Chevalier de la Table Ronde, avec Ava Gardner, notamment, je crois. Et Pirate Movie, qui est une comédie musicale de pirates. Voilà. Donc pour cette colonne, et pour celle-ci, on a l'intégrale de la saison 1 de Little Britain, donc ce que je vous disais comme Fly With Me, c'est eux. Cantique de la racaille, je ne sais plus du tout ce que c'était. Hop, on va regarder. Cantique de la racaille. Avec Yvan Attal, voilà. Film français, je ne sais plus où je l'avais eu. La Confession avec Romain Duris, qui a l'air plutôt très intéressant. Max la Menace, Bruce versus Lloyd, ça a l'air vraiment barré. Chien Flick, les trois avec James Belushi. Très content d'avoir mis la main dessus, apparemment, sont vraiment plutôt, plutôt bien rares. Splash, culte, hein, avec bah, notamment Tom Hanks. Taxi 5, Osef, totalement. Né quelque part, très très bon avec Jamel Debbouze, je vous le conseille. Mammouth, pas mon préféré de Delépine et Carverne, mais un des meilleurs. Elmo au pays des Grachos, Elmo culte. Putain 20 ans, le DVD des 20 ans des Guignols. Voilà, qu'est-ce que ça me manque cette merde. Burnout, très très bon avec François Civil, l'héros de Le Chant du Loup récemment. Je vous conseille Burnout, il est vraiment excellent. The Commitment, film culte de. Oh putain. Enfin, je crois que c'est Alan Parker. Non, c'est pas Alan Parker. Commitments. The Commitments, Alan Parker, c'est si. Et confiance en toi, Kev. Comme ton père avec Gad Elmaleh, sympathique. Le crabe tambour, une fresque, un petit peu un truc historique avec Jean Rochefort notamment. Lucie, Besson que j'ai toujours pas vu, et oui. Bon baiser de Bruges, titre original In Bruges, excellent. Colin Farrell, l'acteur qui joue Voldemort, j'oublie toujours son nom, qui est très très bon. Très bon film, je vous le conseille. Hardcore Henry, un film sous stéroïdes. Or Soldiers, film de guerre que j'ai toujours pas vu avec Chris Hemsworth notamment et Michael Shannon qui me tente énormément. Broken City qui a l'air d'être un petit film policier super sympathique. Badass 2 qui ont l'air d'être deux gros délires avec Danny Trejo et dans le deuxième il y a également... J'ai un trou avec les noms aujourd'hui. L'arme fatale, le black, Danny Glover. Jumanji, bienvenue dans la jungle. J'y arrive pas.
Voilà, The Big Short, le casse du siècle, culte apparemment, avec Steve Carell notamment. Je sais qu'il a fait beaucoup parler ce film à sa sortie, mais toujours pas vu. The Insider, voilà, film policier asiatique, je crois. Un monde parfait, mon Clint Eastwood sûrement préféré, un petit bijou. Le flic de San Francisco, pas vu, avec Eddie Murphy. Short Circuit, cultissime avec Johnny Five. Sheriff Jackson, toujours pas vu, mais très content de l'avoir. Merci mon pote Chris. Frauds, une curiosité avec Phil Collins. Voilà, c'est un thriller, un truc un peu chelou. Blood Fight, une inspiration de Tarantino. L'extravagant Docteur Doolittle, donc voilà ce qui a inspiré le film avec Eddie Murphy, hein, donc c'est l'original. En dessous, on a le coffret de Fast and Furious 1 à 4, et en dessous, on a le 5, le 6 et le 7. Ivresse et conséquences, voilà, film américain. Un petit peu potache. On a Lyon, toujours pas vu. Speed 2, voilà, super sympa avec Sandra Bullock, j'aime beaucoup. À la gloire des Celtics, rentré il y a peu avec Damon Wayans et Dan Aykroyd, il a l'air très très cool. Et putain, l'acteur qui joue Marv dans Maman, j'ai raté l'avion, j'oublie tout le temps son nom aussi à lui. Daniel Stern. Ensuite, on a Les Survivants, toujours pas vu non plus, qui a l'air très cool avec Chiwetel Ejiofor. Une autre saison d'Ethel Bouteille. Plein les poches pour pas un rond avec Jean Lefebvre et Michel Constantin, j'arrive pas trop à voir. All Inclusive, une daube avec Franck Dubosc, vraiment super mauvais. Red Sparrow, toujours pas vu, avec Jennifer Lawrence, film d'infiltration, un petit peu espionnage. Hostile, apparemment un western énormissime, toujours pas vu non plus. Et en dessous, là-bas, on a le coffret Ultra Collector de Pearl Harbor, très très belle édition avec une pochette en cuir. Tous les Hunger Games à côté, et le dernier, c'est Frères Ennemis, voilà, très très bon avec Reda Kateb et Mathias Chenard, que je vous conseille. Voilà, ça conclut cette vidéo. Je suis désolé, j'ai pas pu me pencher plus bas, j'ai super mal au dos. À vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker, à partager comme d'habitude. Et nous, on se retrouve très prochainement, mes amis. Jouez, nananif, ciao ciao!